je t'avais pas vu toi. Ah, alors depuis le temps. Ah, ouais, ben voilà, depuis le temps. Donc moi j'aurais même dit AH. Château d'Ah, il l'appelle. Donc AH. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc c'est matinal, c'est le premier de la journée. Ça fait longtemps qu'on en a fait. Donc voilà, maintenant il fait froid. Ça se voit. C'est parti pour la visite. Allez, allez go. Bien défoncé. Hein. Ouais, malheureux. Donc il y a une dépendance, là, après on ira, je pense. Après, sinon, comme tu vois, c'est vide. Il y a un truc assez sympa à l'entrée, c'est le... Il y a une tapisserie du château en lui-même. Tu nous la montres? Allez, ouais, viens. Donc voilà la tapisserie en question. Donc ça, c'est sympa d'avoir une photo du château comme il était à l'époque, en bon état. Et, il a dû se passer quelque chose de paranormal, puisque les soucoupes volantes ont même été peintes. Voilà. On ne sait jamais, peut-être qu'on va tomber sur des extraterrestres à l'étage. Voilà. Allez, on continue. Bah en fait, ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'il y a des bouquins comme ça. Donc tu peux voir un peu partout, éparpillés dans le château. Et ils sont tous identiques. Ils ont tous le même titre. Alors est-ce que la personne qui habitait ici était écrivain et bon, c'était un de ses ouvrages, donc voilà. Mais c'est bizarre. Voilà. On dirait une petite entreprise qui est juste à côté du château. Voilà, c'est vraiment étonnant. Alors par contre, pour l'instant, pas d'indice sur ce qu'on pouvait y faire. On va essayer de filer un peu, mais bon, il n'y a pas grand-chose. Comme t'es là, t'es heureux, toi? Non, non, non. Non, je suis heureux parce que bon, c'est le premier de la journée. Voilà. Non, nul. Enfin, nul. Voilà. De la route, ça paraît pas mal. Après, on voit de loin que les portes sont ouvertes, donc là, on se dit c'est vide. Et effectivement, c'est vide. Donc, à côté, il y a une entreprise, apparemment, qui était en relation avec le château. On n'en sait pas plus. On ne sait pas du tout ce qu'il faisait. Peut-être un rapport avec les bouquins, mais je pense pas que le propriétaire avait son imprimerie juste à côté. Donc bah c'est tout, t'as rien à rajouter toi, non? Non, bah c'est tout. La suite pour un prochain épisode. Allez, salut!